Oh là là, j'espère que ça en vaut la peine. Alors, l'histoire. Nana est venue affronter ses péchés, mais on dirait que les choses ne vont pas aller dans son sens. Il y a longtemps, Popo et Nana, oui, il s'appelle vraiment Popo, le mec, et cette fille que vous voyez là, elle s'appelle Nana. Bref, étant en compétition pour savoir qui serait le premier à grimper la montagne, les choses dégénèrent quand Nana réalise qu'elle n'avait aucune chance de gagner, enfin de vaincre son partenaire. Alors, dans une tentative désespérée d'essayer de le ralentir, elle essaye de lui pousser au sol, sans intention de lui faire du mal, mais malheureusement, elle l'a poussé vers sa mort. Oh punaise, ah là ça commence bien. Mais au moins on comprend le contexte. Hantée par des hallucinations de lui chaque jour et des cauchemars sans fin, elle décide de mettre un terme à cette histoire une bonne fois pour toutes, en revenant à l'endroit où tout ça s'était passé, ok. Ok bah du coup on peut lancer le jeu hein. Attention, ce jeu contient des bruits très forts, des images qui flashent, enfin tu vois ce que je veux dire. Joue à tes propres responsabilités, bon ok. On n'est pas ici pour faire Zarma, on savait pas, on sait très bien. C'est parti. Alors ça c'est la même personne qui a fait un jeu Mario, je sais plus comment il s'appelle. Curses Mario. Ouais c'est ça. Bref, je pense qu'on va commencer à faire l'intro. Salut à tous et à tous, moi c'est Texar, j'espère que vous allez tous très bien les amis. En tout cas personnellement ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve sur... Frozen Inferno. Alors, Frozen Inferno, c'est un jeu qui est sorti il y a quelques heures à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Et c'est un jeu qui se passe dans l'univers des Ice Climbers. Je pense que ce nom doit vous dire quelque chose puisque ces personnages, on les retrouve aussi dans Super Smash Bros. Avec Popo et Nana. Et bien sûr, ce jeu-là, il est inspiré d'un jeu qui est sorti sur la Nintendo Entertainment System. Et vu que vous avez le contexte de l'histoire, au moins vous savez à quoi vous attendre. Et bon, je propose qu'on découvre tout ça dès maintenant. On peut mettre en full screen. Ah ouais, je vais aussi enregistrer mon gameplay avec OBS. On sait jamais parce que parfois, quand je mets des jeux en 4 tiers en full screen, bah ma capture bug. Alors c'est un filtre. Après le filtre, ça rajoute un côté rétro. Mais bon, je pense qu'on va jouer sans filtre. Mais au moins c'est sympa de nous laisser le choix. Tutoriel c'est quoi? Alors pour avancer, c'est les flèches du clavier. Et pour attaquer, c'est Z. Ok, dans ce cas-là, on peut faire Start Game. C'est parti. Alors. Oh, quand même, c'est super bien fait. Elle, c'est Nana. Je suppose. I'm finally here. Let's get this over. Ok, elle va en finir une bonne fois pour toutes avec ses péchés comme elle l'a dit. Ouais, voilà à quoi ressemble Ice Climbers. C'est un jeu où vous devez péter des blocs et monter de plateforme en plateforme. Avec des sauts très limités, qui sont certes très hauts, mais qui sont galères dans certaines situations. Qu'est-ce qu'elle... Oula, derrière toi. Derrière toi. C'était son frère ça? C'était Popo? En français ça fait tellement prénom de gamin mais... Ok, ok. On va rejoindre Popo, enfin... Disons, là où Popo est mort, plus ou moins. Ok, pour le moment, ça a l'air d'aller, enfin, je suppose. Le gameplay, il a l'air sympa. Ah ouais! Ah, ça m'a fait sursauter. Attends, c'était prévu, ça, ou... Ou pas? Parce que... Ah ouais, c'était prévu, je crois. Ah, ça m'a fait sursauter, je te jure. Ah, mesquine à la pauvre. Où est-ce qu'elle a atterri? Je sais pas. Et déjà, j'ai un mauvais pressentiment. Là, je pense qu'on va devoir monter rapidement. Ou peut-être pas, ça a l'air d'aller pour le moment. Et où est-ce que je dois aller? Parce que... Ah d'accord. Je dois pousser ce truc? Ah non. Attends. Est-ce que je peux... Est-ce que je peux grimper? Ah, c'est bon, ouais. Je peux grimper. Oula. Vas-y, pète ça. Pète ça, Nana. Voilà. Ouais. Oula. Vous avez entendu ça? Je suis pas fou. Vous avez... On a entendu un bruit. Je peux défoncer les mains, non? Oh, punaise. Oula. Oh, comment j'ai esquivé, wesh. On peut passer par là? Non. Où est-ce qu'il faut? Ah, c'est par là. Ok. Allez, vite, vite, vite. Où est-ce qu'il faut aller? What? Je suis censé aller où? Qu'est-ce que c'est que ce... Attends. Ah, c'était ici. Ok, j'avais pas vu. Attends, je me suis fait tuer par quoi? Wesh. Et je me suis fait agresser par un truc, mais je sais pas quoi. Vite, vite, vite. Voilà, là c'est bon. Là vraiment, je dois me dépêcher. Ne retourne pas, s'il te plaît. Oh, attends. Ah ouais, mais je dois... Oh, mais ça va être impossible. Il se retourne à partir de quel moment? Ah ouais, mais ça va être chaud. Voilà. Oh! Oh, fils de... Poulpe! Non! Oh, mais quel chien. Putain, mais il est trop rapide. Not yet. Pas encore. Ouais, c'est son frère qui parle. Je suis censé passer par où, là? Je comprends pas. Oh. Ok, je peux me mettre ici. Non. Oh punaise. Ah là je vais mettre du temps. Oh. Il m'a touché. Punaise, il m'a touché. Ok, c'est bon. Je sais pas où est-ce que je dois aller, mais bon. Ah ok. Je peux avancer ici. Là j'ai intérêt à bien gérer mon timing. Attends. Non, ça passe pas. Ah oui, faut pas que je tombe ici parce que sinon, je meurs.
Oh punaise, ça va être chaud. Oh punaise, ça va être chaud, mais je te jure, c'est chaud. Vas-y. Oh, oh, oh. Merde. Putain, mais wesh, mais c'est... Mais c'est chaud. Oh merci. Dieu merci, on recommence pas tout. Non. Ouais, c'est bien ce que je vous disais. Si on monte trop et que l'écran monte en même temps, si on touche le vide, je considère que c'est un trou. Oh. Oh. Oh punaise. Oh. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire ici? Je suppose qu'il faut qu'il dégage. Ouais, je crois que j'ai capté. Est-ce que je peux me poser dessus? Non. Non, non. J'ai cru au début, mais non. Alors, attends. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Ah, je crois que j'ai compris. Il faut que je les dégage pour que... Ok, j'ai capté. Voilà. Et Zarma, tu fais ça. Non. Pas comme ça, mais bon, tu m'as compris. Voilà. Comme ça. Attends, attends. Où est-ce que je dois aller? On va aller vers la droite. On va pas se casser la tête à faire n'impe. Ok. Ah oui, là, j'ai pas terrain de foirer. Oh. Oh. Attends, 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 attends. Oh. Ouais. Oh. Oh. Laissez-moi respirer, s'il vous plaît. Attends. Oh. Prochaine étape, c'est ici. Ok, vers la gauche. Allez, allez, allez. Tu peux le faire. Tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire. Oh, 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 mais dépêche-toi. Oh, le jeu, franchement, il est stressant. Alors, je dois monter en haut. Ouais, c'est ça. Oh, punaise. Alors, c'est quoi ça? Où est-ce que je suis? Ah, d'accord, j'étais en bas. Et là, on va mourir, je suppose. Je crois bien, ouais. Mais bon. Alors, oh. Oh, c'était qui ça? C'était notre frère? Peut-être bien que c'était notre frère. Il va arriver et il va nous faire un gros jumpscares. Allez, vas-y, frérot. Montre-toi. Allez, je suis un bonhomme. Oh, où est-ce que tu es? On se prépare. Parce qu'il peut arriver à tout moment. Oula. Oh! 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 Stop! Alors, je m'attendais pas, mais c'était prévisible. C'était sûr. C'était sûr. Ok, oh, oh non, elle va mourir. Oh. Oh ouais, comment elle s'est fait dégommer. Oh ouais, et c'est comme ça que ça se termine? Vraiment? Attends, elle n'est pas encore morte? On prend notre marteau et... Du coup... We're gonna have so much fun together. Ouais, ensemble, on s'amuse beaucoup, ouais. Forever and ever. Oui. Ah bah ça se voit, d'abord. Ça a l'air de bien te faire rire, celui-là. A game created by the... Ah c'est fini? Thanks for playing. Ah ouais, c'est fini. Et très bien, très bien. Bah écoutez, franchement, c'est un jeu très intéressant au niveau de son expérience. Il est pas si long, mais franchement, ça va, il en vaut le détour.